this one crazy. Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, en direct de Créteil avec mon gars Lamsou. Vas-y quoi, quoi Gab, tout doux, t'es un tueur, car moi je t'ai même pas checké. Ah t'es un tueur mon gars. Excuse-moi, on voilà, ensemble. On est là. Bon déjà on est où en fait là pour commencer? Là bah on est juste en bas de chez moi, tu vois c'est le numéro 2 juste ici là. Juste en bas de chez moi, là c'est le collège où bah j'ai passé 4 ans, tu connais, j'ai descendu de chez moi. Ça à va, 7h59, hein. J'arrivais là-bas, il y avait le principal Miskin, l'Airahmou comme on dit, il est mort depuis, qui ouvrait tout le temps la grille ici et qui me disait, toi t'habiterais dans la poubelle, tu serais en retard, tu vois, j'ai toujours été un mec en retard, tous ceux qui me connaissent, ils te le diront. Ah, ça va, t'étais pas en retard aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, non, ça va. Aujourd'hui, j'étais à l'heure. En même temps, t'es venu chez moi. Donc, encore heureux, j'étais là. T'as vu. Mais tu connais, c'est là où, en gros, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Disons que quand j'étais petit, j'étais un mec plutôt calme. C'est au collège que j'ai commencé à connaître plus de monde et j'ai commencé à faire mes premières bêtises, on va dire. Bon, avant tout, je vais te présenter déjà. Moi, c'est Lamsou, 22 ans. Ça fait 2 ans que je rappe là, officiellement. Il y a une série de freestyle FCP qui est dispo sur YouTube. Sur Instagram, Lamsou-du-bas-9-4-k. Et il y a une grosse série de freestyle qui touche bientôt à sa fin. Et on va commencer à faire de nouvelles choses, préparer un projet. J'ai des projets aussi avec mes potos avec qui je fais du son qui vont arriver. D'ailleurs, je vais en profiter pour en présenter déjà deux. Allez, vas-y, deux premiers. Qui sont ici. Tizzy Miller, très très chaud, validé par Chris d'Iconic. C'est important, je connais. Mon gars est Fab, ils font partie du groupe avec qui je fais du son en gros. Un groupe dans lequel il y a des beatmakers, des top liners, des artistes de ouf. Et tu connais, hein, je les laisse se présenter. On a Tizzy Miller, rappeur. Ça fait à peu près 10 ans que je fais du son. On va dire que je m'y suis mis sérieusement il y a pratiquement 4 ans. Voilà, je me lance. J'ai balancé un projet sur les plateformes en 2019. Quelques singles qui ont suivi et là je prépare un nouveau projet qui sortira en octobre. On a tout pareil, hein. S-Fab, ça vient de Créteil, on a commencé pour à peu près une dizaine d'années. Hein. Ouais. Je pense que c'est ça, on a sorti un projet aussi, le 25 mai, ça s'est bien passé, on est bien maintenant tour, donc on prend la suite à fond. C'est carré, ça va faire un petit tour ou quoi les gars? Ouais, on va faire un petit tour et de faire un peu le chemin d'un mec du palais lambda. Ça va permettre à Tizzy et S-Fab de connaître un peu le palais aussi. Puisque en fait, vous n'êtes pas du palais. Voilà, exactement. Eux, c'est ce que j'ai essayé de faire là. C'est vraiment, déjà, c'est mes potos. Donc j'en ai profité pour les ramener. Et le but, c'est pas de montrer que moi, c'est aussi de montrer d'autres rappeurs de la ville. Donc on va en voir au fur et à mesure du chemin. Et là, en gros, le chemin qu'on va faire, c'est un peu le chemin lambda d'un mec qui grandit ici. Hein. Là, t'as le collège. On va passer au niveau du FCP. L'endroit qui a donné son blaze à... Exactement. Toi, alors, t'étais quel genre de gars au collège, toi? Au collège? Ouais. Moi, j'étais le mec... pas forcément fouteur de merde, mais tu sais, j'étais le mec, en gros, qui... Faut dire que j'avais des facilités un peu à l'école. Et j'étais le mec, genre, qui finissait, qui était dans les premiers qui finissaient et qui, après, s'ennuyait, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me dissiper à l'école, moi. C'est, je m'ennuyais à l'école. Vraiment, je m'ennuyais. Et après tu connais, je suis devenu feignant, l'école ça te saoule. L'école ça te saoule. Là tu connais, on est côté FCP. Alors ça veut dire quoi FCP? FCP c'est le nom qu'on a donné en fait au parc qui est juste là à gauche, tu vas le voir. Ouais. C'est l'endroit où on se retrouvait quand on était petit. En fait mes premiers potes, mes potes d'enfance, c'est ici que je les ai connus. C'est vraiment là que tout a commencé genre. C'est quand j'étais petit, ma mère elle me surveillait du balcon juste ici là. Ouais. Et en gros la règle c'était quoi? C'était que là en gros t'as le FC. Et je devais rester en gros dans le premier parc. En gros, t'as deux parties. T'as le premier parc ici avec les attractions là. Et ensuite, t'as le deuxième parc. Donc, on va dire que en maternelle, j'avais pas le droit de dépasser le petit parc. Ma mère a guetté souvent pour voir si je respectais bien la règle. Et au fur et à mesure du temps, elle m'a autorisé à aller un peu plus loin. Donc, j'ai commencé à pouvoir aller dans la deuxième partie. Mais en soi, ça me gênait pas trop puisque tous mes potes, ils étaient là. On finissait l'école. Chacun montait chez soi.
ça jetait les sacs et le point de rendez-vous c'était ici. Donc tu savais où trouver les gens, t'as capté. Et j'ai passé des années ici, avant de commencer à m'enfoncer un peu plus loin dans la cité comme on va le faire. Là on est vraiment en train de faire limite le parcours de ma vie, t'as capté. D'abord ici, puis j'ai commencé à aller un peu plus loin, et bon après c'est parti en couille. Hein. C'est grand ici du coup, non? C'est grand, ouais, franchement ouais. C'est grand. Là en gros on est du côté du palais, on est du côté des bananes. Ouais. Faut savoir qu'au palais, chaque bâtiment a une architecture bien particulière. C'est vrai. En gros t'as les bananes, bah là où j'habite, qui sont des longues barres d'immeubles, ouais, qui longent en gros tout le palais. Là t'as les tablettes de chocolat, donc c'est ces tours là. C'est une autre partie encore du palais. Et après on va avancer un petit peu plus et on va voir les choux, je pense que c'est les bâtiments, connu, les bâtiments. Là-bas, là. Exactement, les c'est les bâtiments bien. Emblématiques du palais, les choux, vraiment. Okay, donc okay, okay. C'est pour ça que déjà que notre cité elle est connue un peu, c'est pour ça. On la voit de loin. On la voit de loin déjà. Elle est grande et c'est pas une architecture que tu vois partout. Genre, je pense que c'est la seule cité dans le monde avec cette architecture là. Genre vraiment. Bah il y a même des gens de l'étranger qui viennent prendre des photos et qui viennent. T'auras souvent des gens d'ailleurs un peu venir. Bah parler. On a l'acteur de Prison Break là, celui qui joue Michael Scofield, même lui il l'a mis en story une fois. Putain. Ouais. Franchement ça c'était lourd, surtout que tu connais dans le 9-4 les gens ils aiment bien dire que nos tours elles sont moches, mais tranquille. On s'en bat les couilles. Il y a déjà eu des rappeurs d'ailleurs qui sont venus clipper ici ou Ouais. Il y a Medjin qui est venu clipper ici. Il y a des films qui ont été tournés ici. De l'autre côté du périph, la deuxième version, là, celle qui est sur Netflix, bah ça commence avec un insert du palais justement. Ah oui. Y a un autre film où il y a Omar Sy aussi qui a été tourné là. Il y a beaucoup de films qui ont été tournés ici. Il y a pas mal de films qui ont été tournés. Il y a Le Brio aussi sur Netflix qui a été tourné pas loin. C'est le chemin que tu faisais du coup ça? Ouais exactement, tous les jours, du lundi au vendredi, c'est ça mon chemin pour aller à l'école. C'est quoi ton meilleur souvenir que t'as ici, un truc qui te reste en tête ou... Toute ma vie au palais, putain, il y en a beaucoup des souvenirs, hein. Il y en a beaucoup. Mes meilleurs souvenirs, je pense que c'est à l'école. Hein. C'est à l'école parce qu'on était intenable, on était vraiment intenable. Moi en fait ma daronne c'était quelqu'un de strict. Essayer de m'inculquer certaines choses, j'arrivais ici, tout partait en vrille, frère. C'était l'anarchie. Laisse tomber. En gros, déjà, il y a en gros les ballons qui se coinçaient. Vas-y, quoi, Bildo ? D'où ? Il y a les ballons qui se coinçaient sur le toit. Il faut savoir que c'est un toit qui est penché. Ça veut dire, en gros, le ballon, il redescendait, il se bloquait en mode sous le toit. Et on prenait des manteaux pour attraper le ballon. Ou alors, il y en a en mode qui montait sur le toit directement. T'as capté ? Donc, c'était l'anarchie. C'était l'anarchie. Et je pense, mes meilleurs souvenirs, c'était ici. Dis-toi que j'ai certains de mes potos avec qui je suis devenu pote parce que je me suis battu avec eux à l'école. C'est pour te dire, tu vois. Ça, c'est... Les bananes, c'est les allongées. Ouais, exactement. Et t'as vu, en gros, si t'as bien remarqué, il y en a trois. Donc il y en a une première ici, il y a la deuxième qu'on vient de longer. Et il y a celle où on était, la mienne en gros, là où j'habite. Donc il y a trois bananes en tout dans le palais, mais qui recouvrent vraiment toute la partie ouest du palais. Du coup, eux deux, ils sont pas du palais, vous êtes pas du palais. Non, mais c'est Créteil. Comment vous les avez rencontrés, vous tous? Bah en fait, c'est grâce à mon pote Yadley que je les ai connus. Yadley, c'est mon poteau avec qui, limite, j'ai commencé à rapper. Pareil, on était ensemble ici à Blaise Pascal, on se connaît, ça doit faire peut-être 15 ans qu'on se connaît, tu vois, j'en ai 22. Et c'est avec lui en fait limite que j'ai commencé à rapper, à écrire mes premiers textes. Ce qu'on faisait c'est qu'on avait un poteau à nous en gros avec qui on traînait tous les vendredis soirs. Et vers le lac là, le lac de Créteil. Et le poteau il s'amusait en gros à nous donner des prods. Et on avait 30 minutes pour écrire le plus vite possible. Et c'était un jeu en fait, tu vois, au début c'était même pas un truc sérieux. C'est vraiment, on a pris ça comme un jeu. Et en fait au fur et à mesure du temps, t'as envie de devenir plus fort au moment des 30 minutes et forcément tu t'écris plus que le vendredi soir, tu commences à écrire tous les jours de la semaine et au final c'est même plus un jeu, au bout d'un moment ça devient un truc sérieux et ça devient une passion surtout. C'est comme ça que l'amour du rap il est arrivé. Après j'écoute de la musique depuis tout petit donc ça a un peu joué je pense, mais le rap en tout cas c'est comme ça que je m'y suis mis. Et pour en revenir à Yadley, c'est grâce à lui en gros que j'ai connu Cheezy, S-Fab, etc. parce que
traîné avec eux avant moi. Moi je connais, j'étais entre guillemets un petit Lascos qui passait plus sa vie ici dehors à traîner que à se concentrer sur son son. Et il m'a dit qu'en gros, j'ai trouvé des mecs qui font du son comme nous, tout ça, nanana. Il y en a qui font des prods et tout. Du coup, ouais, je disais, Yadley, en gros, c'est lui qui m'a fait connaître un peu tout le reste du groupe. Je suis un peu le dernier à arriver. Parce que bah tu connais, même si j'aimais la musique et que j'avais déjà commencé à rapper, j'étais pas vraiment encore à fond dedans, tu vois, j'avais pas pris le truc au sérieux. Je faisais mes petits trucs de mon côté, mes petits freestyles, mes petits clips. Et c'est lui qui m'a montré au groupe entre guillemets et qui m'a fait connaître des nouvelles personnes avec qui faire du son. Hein. Tu connais, à la base, moi j'étais un peu égaré, on va dire. Mais c'est comme ça, ouais. Comme ça que je les ai connus, on va dire. Bon, là, on est de quel côté? Là, on est sur la place. La place ouais. c'est un des endroits que j'ai découvert une fois que j'ai eu le droit d'aller un peu plus loin. À quel âge quand tu as commencé à venir ici? C'était collège, hein. Collège, ouais. Collège. C'était au collège. Et en gros, tu connais, on se posait où devant la ludothèque? La ludothèque, on y allait quand on était petit. Et bah après, avec le fil du temps, tu commences à arrêter d'aller à la ludothèque et tu te poses juste sur la place comme ça. Là, t'as le cinéma du palais juste là, là. C'est là où on venait regarder nos films quand on était petit à l'école. T'as clippé un peu par là ou quoi? Ouais, je fais un clip entier où en gros je pars de là-bas et je marche jusqu'ici, t'as capté? Ensuite je monte là, là en gros t'as le haut de la galerie, là t'as le tribunal. Tribunal, bah c'est pour ça. Une prise ici aussi. Ouais, mais c'est pour ça que le palais s'appelle le palais justement. Ah, ça s'appelle le palais de justice. Exactement. Là tu connais, là si c'est la place. C'est. Ça c'est J.R. Layen. Là c'est la DA du début. C'est lui qui nous aidait à débloquer les endroits incongrus, les endroits difficiles d'accès, c'est lui. C'est grâce à lui. Ça, c'est Yadley. Le fameux Yadley dont je te parlais, avec qui j'ai commencé à rapper, etc. On a le coach Beko juste ici. C'est comment? Du coup, tout doux. Pareil, poteau d'enfance. Five, poteau d'enfance aussi. Il était là quand on était petit. Ensuite, il est parti en Angleterre. Ensuite, il est revenu. C'est un mec qui voyage. Et voilà, tu connais. Une fois que j'ai eu le droit d'aller un peu plus loin, c'est ici que ça traînait. Mon premier clip, c'était ici. Mon troisième clip, c'était ici. Après, j'ai essayé de changer un peu d'endroit. J'ai essayé de montrer un peu autre chose. Et des fois, en gros, les gens, c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est que quand t'as du taf, etc., t'essayes d'avancer sur certains trucs, forcément, tu traînes un peu moins, tu vois. Tu traînes un peu moins, mais tu le fais pas pour rien. C'est justement pour pouvoir ramener des opportunités comme ça, genre des interviews, mettre la lumière sur le quartier, etc. Genre, tu disparais pas pour rien. Ça, malheureusement, il y a des gens, ils le comprennent pas. Bon, je sais plus c'était dans quel clip, mais t'as mis une petite prise du tribunal. Ça, c'était dans le dernier, ça. Dans c'est le dernier clip, je pars du tribunal et je descends au rond-point qui est juste là-bas, là, tu vois. Comment il s'appelait ce clip-là, déjà? FCP7. Voilà. Ouais, FCP7, c'était Miguel. Ouais, mais justement. Ça, c'est le chef du quartier, ça. Coursé par Miguel. Chef du quartier, ça dit quoi? Tu dis dedans que tu fais courser par Miguel, c'est-à-dire ça. Miguel, c'est un condé. C'est le condé le plus méchant de la ville, je crois. Voilà. Ah ouais? Ah non, laisse tomber. Non, ouais. Lui, c'est une galère. La Hia Miguel qui me traque, faut que je mette la Hia Miguel qui me traque. Course poursuite de 9-4, t'as des VJV, c'est le nom de la plaque. Boîte auto, pas de première, j'en bois auto, je mets pas de première. Ils ont déjà fait des dingueries justement, les keufs d'ici. T'as déjà vu des dingueries d'ici? Pas mal, hein. Pas mal. Après, j'ai envie de te dire, ça c'est partout. Hein. C'est pas qu'ici. Les histoires de bavure, les histoires d'embrouille avec les condés, les histoires, ça c'est partout. Les contrôles, je pense ici, la majorité avant nos 15 ans, c'était déjà tous fait fouiller une fois, tu vois. Donc en vrai, c'est partout. C'est partout la même merde. À partir du moment où t'es dans un quartier, je pense que c'est la même merde partout. Voilà. Et pendant les clips, ils t'ont déjà dérangé un peu ou quoi? Ouais. Pas mal, hein, pas mal. Et bah, FCP3, justement, celui qu'on a tourné ici, ils m'ont embarqué au final avec le clipper. Parce que, avec en gros, aussi, l'ont mis. Ouais, ils ont pris le clipper avec nous. Parce que en gros, l'histoire c'était que vu qu'il y avait des tirs de mortier, etc., ils ont ramené les casquets, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Il y avait des petits dans le clip. Ils ont voulu ramener des casquets avec des grenades, etc. C'était trop dangereux, laisse tomber. Je préférais aller leur dire, écoutez, c'est mon clip. Ça sert à rien d'agresser les gens, ça sert à rien de chiffonner les gens, ça sert à rien d'embrouiller les gens. C'est moi qui fais le clip. Donc si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le moi. Donc après, vas-y, ils m'ont emmené au Comico. Soi-disant, on n'avait pas l'autorisation de la mairie, mais qui demande l'autorisation de la mairie? Personne. Ouais. Personne ne demande une autorisation de la mairie pour faire un clip. Frère. Franchement, à chaque fois, chaque clip que j'ai fait, la moitié, il y a les condés qui sont passés. Et même pas qu'ici. Hein. J'ai fait un clip dans le 9-3, pareil, les condés ils se sont pointés, on ne sait d'où. Ouais, c'était quel clip? Et on dirait que j'ai la poisse en fait avec eux. C'était quel clip? C'était le 6, celui-là. C'était le 6. En gros, il y a une scène qu'on devait faire dans une station essence à la base.
et une patrouille comme ça. On ne sait pas d'où elle est sortie, la station essence, elle était dans un coin paumé. Ils sont arrivés en mode comme ça, d'un coup on ne sait pas d'où. Ils ont pareil, autorisation de la mairie, je sais pas quoi. On a changé de spot, on s'est cassé. En vrai, chaque fois que tu fais un clip de rap et qu'ils te croisent, ils viennent te faire chier, c'est comme ça. Bah, c'est obligé. Ouais. Là, on rentre dans la galerie, la fameuse galerie du Palais. Là, t'as le cinéma, en gros, qui sont en train de rénover, je sais pas ce qu'ils font, mais en gros, à la base, t'as tout cet espace-là qui va jusqu'au mur du cinéma. Ouais, ouais. Donc là, t'as le tabac, t'as le Majestic. Majestic, je pense, c'est le snack le plus connu de la Galle. Et au fur et à mesure, quand j'étais petit, il n'y avait pas autant de restos, en fait. Les restos, ils sont vraiment arrivés au fur et à mesure. Au fur et à mesure du temps, il y a des nouveaux qui sont arrivés. Là, t'as le Farmer. T'as les huissiers de justice. Ouais, t'as un huissier de justice. J'ai jamais compris à quoi il servait, lui. T'as le Five Piece juste là. Ouais. Là, t'as un bazar. Ça, ce bazar, depuis que je suis petit, il a toujours été là, par contre. Ah ouais ? Il a toujours été là. C'est vraiment, je crois, le truc le plus ancien que je connais dans cette galerie. Oh là, oh là. Du coup, tu me disais que les mecs du Palais, ils sortent pas trop du Palais. Non, parce que, bah, on a tout. On a tout. En vrai, tu veux sortir pourquoi ? T'as une poste là-bas au bout, t'as un Aldi, t'as des snacks tout le long de la galerie, t'as une pharmacie, t'as une auto-école, t'as tout ce qu'il faut. T'as pas besoin de ça, du gars. Bien, tout doux. T'as tout ce qu'il faut, t'as pas besoin de bouger en vrai. Donc c'est ce qui fait. Après, bon, dans notre mental aussi, on est des mecs, on bouge pas trop de la zone, mais c'est ce qui fait qu'on reste vraiment dans notre zone encore plus. C'est qu'on a tout et on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher ça autre part. Moi, j'ai été amené à bouger beaucoup parce que tu connais, je suis un Komoko et Komoko, on a de la famille partout. Que ce soit au Bois Labbé, que ce soit dans le 9-2, que ce soit dans plein d'autres cités qui ne sont pas les miennes. J'ai beaucoup traîné justement parce que bah, y a ma mif là-bas, mais sinon à la base des bases, s'il n'y avait pas eu ça, tu connais, j'aurais jamais bougé d'ici. Clairement, j'aurais jamais bougé d'ici. Et même à l'heure d'aujourd'hui, même si je sors beaucoup moins parce que voilà, j'ai mes projets, j'ai mes trucs, je ne peux plus me permettre de traîner comme avant, quand je fais rien, je suis ici, clairement. Est-ce que tu trouves que la mentalité à Créteil, il y a quelque chose de différent? Il y a un problème à Créteil, c'est qu'il faut savoir qu'ici, c'est pas le genre de ville qui va aller s'embrouiller avec d'autres villes, mais c'est plus le genre de ville où les quartiers vont s'embrouiller entre eux. Tu vois? Et c'est ça aussi qui fait que, même au niveau de la musique, on a du mal à créer une cohésion entre nous, parce que même si toi, tu vas t'entendre avec un artiste de tel quartier, le contact va être compliqué parce que ton quartier et son quartier ils sont en embrouille, tu vois. Donc c'est un peu le problème qu'il y a dans cette ville, c'est que tout le monde est un peu de son côté, bah, à part moi, tu sais, avec mes potos avec qui je fais du son, mais sinon tout le monde est un peu de son côté et tout le monde essaye de, on va dire, péter de son côté, mais au final, bah, à la différence de villes comme Évry ou les Ulis où bah, tout le monde se pousse et du coup, bah, forcément il y en a un qui pète et il emmène tout le monde avec lui. Quand tout le monde essaye de faire un truc dans son coin, ça a moins d'impact. Et pourtant, il y a des talents de ouf dans la ville. Hein. Il y a des talents de fils de pute. Mais c'est les mentalités qui font que bah, ça prend plus de temps que chez les autres. Mais ça va prendre. Hein. Je sais que ça va prendre. Parce que c'est une grosse ville quand même. C'est une grosse ville, tu vois. Et ne serait-ce que pour ça, le fait que ce soit une grosse ville et que ça pète pas, tu vois, juste ça, c'est pas normal. Ouais, je connais, on essaye. Moi, j'essaye de réunir les gens dès que je peux. Là, j'ai ramené des gens d'autres quartiers. Ah bah regarde, peut-être que tu parlais des Condés, ils sont juste là, bon. Bon, gros, on a parlé des keufs de Créteil tout à l'heure, mais m'as dit que, gros, c'est quelque chose. Ils sont juste là, hein. Ouais. Ils sont juste là, en fait, tous les jours, surtout l'été. L'été, c'est encore pire. C'est les Condés, je pense tous les gens du 9-4, ils te le diront, hein. Les Condés de Créteil, c'est les plus méchants, ma gueule. C'est les plus méchants de tout le 9-4. Genre, dans une ville aux alentours, si les Condés sont débordés, ils appellent Créteil, c'est pas la même chose. Genre, c'est la menace dans les autres villes, c'est on appelle Créteil. T'as capté? Et bah après, je pense que c'est toutes les villes en fait où il y a la préfecture, c'est ça. Il faut savoir que la caserne des motards du 9-4, elle est au Comico de Créteil, qui est archi grand sa mère. J'ai déjà fait une jave là-bas, je peux te dire que même si t'arrives à sortir de ta cellule, ma gueule, tu vas bonne chance pour sortir. Genre même s'il t'ouvre ta cellule, il te dit c'est ouais. Bon, vas-y, tu peux te casser. Même toi, il y a moyen, si tu le connais pas trop, tu te perds, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc non, laisse tomber. Si Condé d'ici, c'est, on dirait Condé de Los Angeles. Et puis c'est dégueu. C'est des gros bâtards quand même. J'ai fait des GAF dans plusieurs villes et c'est dans ma ville où ça a été le plus méchant, tu vois. Ah ouais? Bien sûr, j'ai été à Vitry, c'est pas du tout la même. Même si en soi des Condés, c'est des Condés, mais ici leur mental c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Et bah comme tu le vois là, hein, c'est contrôle sur contrôle.
Je pense qu'ils sont trop en fait. Il y a des villes où ils sont sous-effectifs et ici ils sont sur-effectifs. Ils galèrent donc ils s'occupent comme ils peuvent. Ils viennent gâcher des clips, ils font chier les jeunes des alentours et pour rien, pour un oui, pour un non. C'est quand ils ont décidé en fait. Quand ils ont décidé de te faire chier, ils vont te faire chier. On est à l'Aïomon là, c'est ça, la HAM. Ça fait toujours partie du palais. C'est la même zone. T'as capté, on n'est plus vraiment au palais à proprement parler, mais en vrai, les mecs du palais ils traînent ici, les mecs de la HAM ils traînent au palais, genre tout le monde se connaît, t'as capté. C'est vraiment un des endroits où je traînais aussi quand j'étais petit. Il y a la MPT juste là-bas, et carrément mes premiers studios c'était là-bas, c'était à la MPT. T'as dit quoi, Toudou? Ici c'est Epice la Night. Si vous avez besoin de chicha, vous avez besoin de sirop, vous avez besoin de cigarettes, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Du lundi au vendredi, 7 jours sur 7. Le week-end c'est ouvert jusqu'à 7h, même 8h des fois. La semaine ça ouvre jusqu'à 5h. Il y a tout ce qu'il faut. Là tu vois, t'as des cartons de ballon, mais bon ils sont terminés. Tu sais, même des chargeurs, genre c'est une épice à ciel ouvert. Il y a des chips, il y a des bonbons, il y a des gâteaux, il y a des sirops. T'as des clubs, ça vend des clubs, tu peux même louer une chicha, genre. Et il y a un livreur en plus, t'as capté? Donc, à l'origine de ça, c'est le petit frère d'un de mes frérots de baiser, tu vois. Un de mes frérots avec qui je traînais à l'ancienne, et maintenant il taffe, etc. Tu vois, on le voit. Il est plus trop là, mais ça bouge pas. Tu connais le ZAD, si tu regardes la vidéo, grosse dédicace. Et en gros, c'est son petit frère qui gère. Hein. Le sang aussi, hein, c'est la famille. Donc si jamais vous passez dans Créteil, vous cherchez une épice et que toutes les épices elles sont fermées, Aïomon, ma gueule. Vous cherchez l'Aïomon, épice la night sur Snap. Tu marques épice sans le E à la fin d'épice, la night, tout collé. Et tu les ajoutes sur Snap et ils peuvent te livrer, tu peux venir sur place. Et t'as tout ce qu'il faut ici, frérot. Et en gros, la HAM aussi, c'est un endroit où traîner beaucoup. Pareil, quand j'ai commencé à aller un peu plus loin, en fait, j'ai vraiment découvert la zone petit à petit, t'as capté? Et la HAM, c'est un des endroits que j'ai découvert où j'ai connu des nouvelles personnes et où j'ai commencé à avoir un peu de rapport avec la musique, du coup, de la MPT. La MPT, elle est juste là, si je te la montre carrément. Viens, tu connais? Un autre rappeur de la ville, un poteau que je connais depuis tout petit ici. Bah justement, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à venir un peu plus loin et à explorer un peu plus la zone, j'ai connu là les gens dont bah, le grand frérot du poteau qui tient l'épice, Hellboy, c'est tous ces mecs là en fait je les ai connus grâce au collège et en me baladant un peu plus dans la zone. Et bah, les connexions elles se sont faites et du coup tout le monde se connaît. Même si maintenant on a grandi, vas-y, tout le monde traîne plus trop comme avant. Avant on était vraiment beaucoup dehors, bah, comme les petits, comme tu les vois, bah, avant c'était nous. Et ça n'a pas bougé, on n'a pas oublié les connexions, on n'a pas oublié avec qui on a passé certains moments et tu connais, ça fait toujours plaisir en vrai de revoir les gens. Le boy, ça date, je l'avais pas vu, qui bouge beaucoup en ce moment, mais ouais, ça fait toujours plaisir en tout cas. Et pareil, un autre artiste à suivre de très 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 près. Ouah, donne tes réseaux, donne tes trucs. Alors, t'as sorti quoi? Moi, je connais, j'ai sorti 2-3 projets, des petits sons comme ça, mais vas-y. Rien de bien concret. Et tu connais là, dans la base, on va essayer de t'en sortir pour cette année, l'année prochaine, les années à venir, tu connais, on va envoyer un peu de tout là. En ce moment, je suis sur la drill. Et tu connais, on va se diversifier, on va faire un petit peu de tout. Et tu connais, on va essayer de tout baiser, voilà. Vous avez déjà fait des feats ensemble ou quoi? On a failli, ça allait se faire. Mais comme je t'ai dit, le problème de Créteil, c'est que même quand on essaye d'unir les gens, il y a toujours les différents contentieux qui viennent tout baiser au bout d'un moment, tu vois. Donc les projets ils se mettent en place et au final ça aboutit jamais. Moi mon but c'est justement essayer de prendre de l'ampleur et limite m'imposer pour que tout le monde s'unisse et qu'on arrête de faire les cons, de rester dans notre coin et que tout le monde pousse tout le monde pour que tout le monde soit mis en lumière. Moi en vrai c'est ça mon objectif. C'est pas de garder que la lumière sur moi. Justement là aujourd'hui, ne serait-ce que juste avec l'interview, j'ai essayé de le faire, j'ai essayé de montrer tout ce qu'il y avait dans la zone, tous ceux à qui je pouvais donner de la lumière pour aider à mieux faire tourner leurs trucs, etc. Moi, je suis là-dedans. Je suis pas dans... J'ai de la lumière sur moi, je la garde pour moi. Je suis pas du tout comme ça. Parce que si les gens ils avaient été comme ça avec moi, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cru, si les gens ils avaient été comme ça avec moi, moi-même, je ne m'en serais pas sorti, tu vois.
Donc j'essaye d'être reconnaissant et j'essaye de donner à la zone de rendre à la zone ce qu'elle m'a donné. C'est grâce à la zone que je suis comme je suis aujourd'hui. Donc j'essaye de lui rendre en gros tout ce qu'elle m'a apporté, que ce soit mes inspirations, que ce soit mes connexions, que ce soit mes potes, tout ce que la zone elle a pu m'apporter, j'essaye de lui rendre. Bon, il y a un truc, t'as vu quand je vais dans les zones de France et tout, ils disent ouais, si ça perce pas parce que c'est pas comme à Paname, on n'est pas soudé comme à Paname, ça donne pas la force comme à Paname et tout. Est-ce que tu valides ce qu'ils pensent, qu'à Paname ça se donne la force, machin? Bien sûr, quand tu vois le 9-3, ils se poussent tous entre eux, quand tu vois le 9-1, ils se poussent tous entre eux, et la preuve, tu vois, ça pète. Et ce qui nous manque ici, je pense que c'est ça, cette cohésion. Et je pense même pas que c'est une question que les gens ils s'aiment pas entre eux. Hein. C'est juste qu'en fait, on prend pas conscience des talents qu'il y a et on fait pas en sorte de connecter ces talents entre eux pour décupler la force de frappe, tu vois. Je pense même pas que c'est... Chacun reste chez soi, tu vois. Et moi, je suis un des rares vraiment qui connaît un peu tout le monde et qui m'entend avec tout le monde. Et encore, il a fallu vraiment que je fasse de la musique, je fasse plusieurs studios, que je rencontre tout le monde, que je me connecte avec tout le monde. Après, il y a ceux que je connaissais déjà à la base, comme Hellboy. Mais il y en a vraiment, c'est grâce à ma musique et le fait de me déplacer dans la ville que je les ai connus. Tu vois, que ce soit Megaski ou Gus Lazone, par exemple, ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais pareil, deux artistes très, 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 très talentueux que j'ai rencontrés en commençant à faire du son sérieusement. C'est la ville a trop de talent. Voilà que la ville a trop de talent. Et je dis même pas ça parce que c'est ma ville ou autre chose. Hein. Crois-moi qu'il y a un réel potentiel ici. Mais il faut que les gens ils en prennent conscience. Quand les gens ils vont prendre conscience de ça et qu'ils vont décider de s'unir, dans tous les cas, ça va péter. Ça va péter sûr et certain. Ça, j'en doute même pas une seconde. Mais il faut que les gens ils aient le déclic. Et alors, ouais, du coup, il y a un truc aussi. Sur toutes les vidéos que je mets, t'as toujours des commentaires en mode ouais, c'est des chômeurs, nan, nan, ils font rien de leur vie, machin, tu vois, des aigris, on va dire, tu vois, des gens un peu casse-couilles. Ouais. C'est-à-dire que toi, si t'avais l'occasion de répondre à ces critiques-là, qu'est-ce que tu dirais? Par rapport aux rappeurs? Ouais, t'as vu quand ils voient, je sais pas, des équipes de jeunes comme ça qui sont dehors et tout, obligés, ils disent ouais, c'est des chômeurs. Hein, non, c'est... rien à voir. Moi, ma gueule, je fais du rap. France, je sais pas quoi, t'as capté. Non, ça, c'est souvent, si tu vas entendre ça de la bouche de personnes qui ou ont pas grandi dans des quartiers, ou qui sont dans un coin paumé de la France, et tout ce qu'ils connaissent des quartiers, c'est ce qu'ils voient à la télé, tu vois. Les médias, il faut dire ce qu'il y a, ils nous aident pas beaucoup. Hein. Ils nous aident vraiment pas beaucoup, que ce soit les jeunes de cité, les jeunes issus de l'immigration, on est des jeunes comme les autres. Hein. Après, forcément, on vit des trucs que les jeunes de notre âge, dans les autres milieux sociaux, ils connaissent pas. Ça, je suis d'accord. T'as des trucs, par exemple, te faire fouiller quand t'es petit, ça, bon, ça arrive qu'à nous, tu vois. Mais y a beaucoup de choses qu'on a en commun avec les autres jeunes. On écoute de la musique comme eux, on aime la mode comme eux, on aime le sport comme eux. Genre, on est des jeunes normaux, frère. On est des jeunes normaux. Mais les médias et ce qu'on nous montre à la télé, etc., c'est fait limite pour nous défavoriser et... pas nous mettre en lumière, pas nous mettre en valeur. Moi, tout ce que j'ai à répondre à ces gens-là, c'est que bah, moi, je suis la preuve vivante que être un jeune de cité qui rappe, etc., ça ne veut pas dire que tu es un chômeur. Ma gueule, j'ai un taf, j'ai continué l'école même après le bac, j'ai fait ma musique à côté, c'est possible, tu vois, c'est possible. Faut pas se dire dans sa tête que ouais, un jeune de cité qui rappe, c'est un chômeur. C'est faux. Tous ceux qui sont ici, pareil, les petits, là, c'est les vacances, ils sont dehors. Ils traînent dehors, mais quand l'année reprend, chacun reprend le taf, ils vont à l'école. On est des jeunes normaux, frère. On est des jeunes normaux. Il n'y a pas d'histoire de oui, on est là toute la journée. C'est gros, on n'est pas en Jamaïque ici, mec. On est en France. Gros, il y a un minimum de suivi. Que tu habites dans un quartier chaud ou dans un quartier résidentiel, tu as un enfant français, il y a un minimum de suivi. Donc il faut arrêter, il faut sortir ça de la tête. Et les jeunes de cité, tu peux les emmener dans des endroits où ils vont pas forcément. Si tu leur dis de bien se comporter, ils vont bien se comporter, on n'est pas des sauvages. Il y a des cassos, mais des cassos, il y en a partout. Hein. Ouais, il y en a partout. Des alcooliques, il y en a partout, des drogués, il y en a partout. C'est la vie qui est comme ça, c'est pas juste dans les quartiers où tu vois certaines choses. Tu vois même des fois des choses pires dans certains quartiers résidentiels que dans les quartiers, ouais, tu vois. C'est possible. Et crois-moi qu'ici, tu vas pas avoir des gens taper de la zip, tu vois. Ouais. Ici, ça fume du doré, ça fume de la skeng, mais tu vas avoir personne taper dans la zip. Tu vas aller dans des quartiers plus huppés, tu vas voir d'autres trucs tourner et crois-moi que ça te nique plus la santé et que c'est beaucoup plus dangereux. Donc non, faut arrêter ça. Bon, sinon, dernière question, frère. Dis-moi tout. C'est la même dans chaque vidéo, elle change de sujet. C'est quoi ton équipe de foot préférée? C'est Barcelone. Barcelone, ouais. Barcelone, depuis que je suis petit, ma gueule. Depuis l'époque de Ronaldinho. Faut savoir que quand j'étais petit, mes deux joueurs préférés, c'était Zizou et Ronaldinho. Ah, un dans chaque club. Et j'étais yom que Zizou il soit au Real, justement. T'as vu, mais je pouvais pas détester Zizou, c'était mort.
à cause de l'équipe de France, ça je pouvais pas détester Zizou. Mais du fait de l'époque de Ronaldinho, etc. Le Barça, ça a toujours été mon équipe de cœur. Hein. Quand j'étais petit, j'étais pour Marseille aussi. Mais bon, après avec le temps, disons qu'ils m'ont un peu déçu. Et puis je pense que la Ligue 1, j'ai arrêté de m'y intéresser. Mais le Barça, c'est toujours resté dans mon cœur. Je regarde un peu moins le foot qu'avant aussi. Faut dire ce qui est. Je suis toujours un petit peu, mais je suis pas un expert en football à proprement parler. J'ai des potes qui sont beaucoup plus qualifiés que moi dans ce domaine-là. Moi, c'est la musique. Moi. La musique, par contre, je peux pas me tester. Mais le foot, là, c'est. Je suis un mec normal qui regarde le foot. J'ai mon équipe et voilà. Enfin, j'ai mon équipe favorite et c'est tout. Bon, frérot, c'est quoi tes réseaux si tu veux Insta, Snap? Lamsou-du-bas CRTL sur Snap. Lamsou-du-bas 94K sur Insta. Sur YouTube, vous marquez Lamsou, vous allez me trouver. Vous pouvez pas marquer Lamsou et pas me trouver, je pense, maintenant. Je pense qu'on a assez envoyé pour ça. Et là pareil, hein, y a la série des FCP qui va se terminer d'ici 2-3 mois. Après ça, on va commencer à envoyer, on va rentrer dans une nouvelle phase. Disons que les FCP, là, c'est le prologue. Ce que je prépare après, ça n'a rien à voir. Avec les FCP, j'essaie plus de montrer que je suis polyvalent, que je peux poser sur ci, que je peux poser sur ça. Et après les FCP, je vais commencer à montrer au public un peu ma direction artistique à moi, tu vois. Ce que je veux faire comme musique et où est-ce que je veux les emmener. Donc après les FCP, là, les gens ils vont commencer limite à découvrir vraiment Lamsou. Là, pour l'instant, c'est juste les prologues. Donc on va finir les FCP et t'inquiète, restez branché, ça arrive lourd. Tout est bon. En tout cas, merci beaucoup, frérot. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. On est ensemble, ça bouge. On est ensemble. J'aime le port de Marseille, mais je suis plus à l'aise dans les rues de l'Est. Jeune crapule recherche copine qui kiffe la drip et les mecs de Tess. Cette année, c'est nous, annule ton comeback. Personne te cherche dehors, nous dis pas que tu vas craindre ton comeback.